pour une nouvelle vidéo et cette semaine je vous retrouve pour une vidéo, une journée dans mon assiette. Donc je vais vous montrer ce que je mange matin, midi et soir. Donc ici on commence avec le petit déjeuner, vous avez vu, je viens de préparer comme d'habitude en fait, mais ici vu que je reviens du sport, j'ai préparé un œuf plus un blanc. Et j'ai mon pain, vous trouverez donc la recette sur Instagram de ce pain, un pain sans mix. Donc c'est un pain super naturel avec différentes farines, farine de sarrasin, farine de pois chiche, fécule de tapioca. Donc vraiment un mélange de farines naturelles, facile à faire. Donc je vous mettrai le lien dans la description pour trouver la recette. J'ai mon café au lait avec le lait donc de noix de cajou, mon lait préféré. Et ici, je bois toujours une petite infusion en mangeant. Je finis avec le café en fait, donc je bois en mangeant ma petite infusion confort intestinal pour être sûr de bien démarrer la journée. Donc on va manger l'œuf que j'ai un peu trop cuit à mon goût parce qu'il n'est pas assez coulant. J'adore quand mon œuf est coulant et là il n'est pas super coulant. Quand je reviens du sport, j'essaye toujours de rajouter une source de protéines en plus que l'œuf. Et je vais juste vous montrer l'intérieur du pain. Il est super bon. Vraiment la texture est trop bonne. Je m'attendais pas à ça. Donc je suis super contente. Je pense que j'en referai parce que d'habitude je fais toujours, comme vous le savez, le mix char, mix pêche char, et j'adore ce pain, je vais continuer à en faire. Mais ici, j'avais envie d'un pain un peu plus naturel, une alternative un peu plus sans mix et sans additifs, etc. Même si pour moi le mix char est encore assez convenable, c'est pour ça que je vais continuer à le faire. J'avais envie de tester autre chose, donc partage ça avec vous. Moi je vais vous retrouver donc à midi pour le repas de midi. Je vais déguster donc mon petit déjeuner tranquillement et je vous retrouve tout à l'heure quand je serai lavée, préparée, maquillée. À tout de suite. Donc vous venez de voir ce que j'ai préparé, un pavé de bœuf en fait que j'ai grillé. J'ai toujours dans mon congélateur en fait de la viande surgelée comme ça, je l'ai à disposition. Et ce que j'adore c'est que c'est tout simplement 100% bœuf, c'est pas comme du filet de poulet ou quoi que ce soit où il y a beaucoup plus d'additifs, enfin comme toutes les charcuteries d'ailleurs. Donc ici j'ai préparé mon pavé de bœuf avec donc du jus de citron. Pour le moment j'adore cuire mes poissons, mes viandes etc. avec du jus de citron parce que ça donne un goût juste trop bon, j'adore le citron. Et j'ai mis des herbes de Provence et un peu de poivre. La salade, bah vous avez vu tous les légumes que j'ai mis, haricots, potirons, mes potirons que j'ai toujours préparés dans mon frigo. Donc ça, le potiron, je suis complètement fan et je suis trop contente qu'on arrive en automne pour en manger encore plus. Donc je suis trop fan du potiron. Des maïs, concombres, courgettes, les courgettes que je mange crues, râpées, carottes, salade, iceberg. J'adore la salade iceberg, même si je la digère pas super bien parce qu'elle est pas super digeste. Mais bon, c'est pas grave, de temps en temps, il faut accepter d'être un peu ballonné après le repas. Je mets toujours un petit peu aussi de graines de chia, de la poivre.
poudre de graines de lin. Et j'ai mis un peu de graines de courge aussi, j'aime beaucoup. Au niveau des féculents, aujourd'hui, de temps en temps, je remplace les galettes de riz par ce riz soufflé. Donc c'est du riz soufflé 100%. Il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de sel, il n'y a rien du tout. C'est juste du riz, comme les galettes de riz. Je remplace en fait mon riz par du riz soufflé. J'adore, ça donne un petit goût croquant. Maintenant, il ne faut pas trop laisser mijoter dans la salade. Il faut manger vite pour que ça reste croustillant. Mais j'aime beaucoup et je fais ça surtout quand j'ai envie de manger un peu moins de glucides. Là, en fait, j'ai fait ça parce que ce soir, j'ai envie de préparer des gnocchis. Donc surtout, regardez la suite de la vidéo parce que les gnocchis, je me réjouis de les préparer. Et vu que les gnocchis c'est un peu plus lourd, je me suis dit on va diminuer un petit peu les féculents pour midi. Je vais pas évidemment vous laisser toute ma dégustation, mais je vais vous montrer la viande. J'adore le bœuf parce que c'est une viande maigre évidemment, et j'adore l'assaisonner avec avec du citron. J'ai mis un peu d'huile d'olive évidemment à la fin, j'ai pas filmé. J'essayais vraiment de faire une petite sauce au jus de citron parce que ça relève vraiment la viande et c'est un petit goût acide que j'adore. Mes petits riz soufflés. Et évidemment, mes petits ronds, il m'en restait pas beaucoup, hein, vous avez vu. Vraiment la fin de mes petits ronds, mais je vais en refaire, j'en ai acheté plusieurs donc. Moi je vais manger ça tranquillement et je vous retrouve pour un petit goûter si j'en mange un. J'en mangerai sûrement un. Sinon ben pour le repas du soir. À tout de suite. Voici mon petit 4 heures, mon petit goûter. Donc comme vous avez vu, je mange un yaourt nature d'Ilea sans lactose. J'ai rajouté de la poudre de maca. J'essaye d'en introduire un peu parce qu'il y a beaucoup de bienfaits à la poudre de maca, donc j'en mets dans mes yaourts. Et j'ai rajouté donc des myrtilles, énormément de bienfaits aussi pour les myrtilles, et j'en ai trouvé dernièrement surgelées, donc je suis super contente parce que c'est vrai que les myrtilles c'est quand même assez cher, c'est souvent dans des petits raviers, ils sont vite utilisés, et là surgelées ils étaient beaucoup moins chers et j'en ai beaucoup plus, et donc ça se garde au congèle, donc c'est juste top. Et un peu de raisin sec pour un petit peu de sucré. Je vais manger ça comme 4 heures. Une fois que j'aurai terminé ceci, je vais aller préparer mes gnocchis. Donc je vous prépare des gnocchis pour ce soir. C'est un premier test, le gnocchi. Je vous explique ça tout de suite après. Vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Je pense que moi non plus. J'espère en tout cas. Il y avait beaucoup de recettes différentes. Enfin bref, je vous explique tout ça après. Mais en tout cas, j'ai envie de préparer mon souper. Je vais manger mon petit 4 heures. Et puis j'irai commencer la préparation. Alors c'est parti pour la préparation des gnocchis. Je vais préparer des gnocchis sans pommes de terre. Ça va être un mélange de farine de châtaigne. C'est la première fois que je teste. Et j'ai quand même la fécule de pommes de terre pour remplacer justement la pomme de terre. Donc ici on va mettre 150 g de farine de châtaigne. Et 75 g de fécule de pommes de terre. On va déjà mélanger ceci. Farine de châtaigne sont vraiment trop bons. Et maintenant on va venir ajouter petit à petit l'eau. Donc ici 150 ml. Et on va essayer de former une pâte en fait. Je sais pas du tout combien de gnocchis je vais avoir avec ces quantités. Donc je vous dirai ça quand j'aurai tout fait. Alors ici je vois que c'est un peu trop, vous voyez, liquide. Donc je vais rajouter un peu de farine de châtaigne. La farine de châtaigne absorbe en fait très fort l'eau. Alors ici, on va essayer de former donc nos petits gnocchis que je vais disposer sur une assiette avant de les cuire. Agréable à travailler. Alors les gnocchis, vous leur donnez la forme que vous voulez. Il y en a des carrés, il y en a des ronds, des ovales, avec des lignes, sans lignes. Donc voilà. Ici, moi, je vais faire les petits carrés. Notre petit
petit gnocchi. Si vous refaites la recette, essayez de vraiment pas mettre trop d'eau. Donc mes gnocchis sont vraiment super beaux, je suis super contente. Et donc ça, ben, on va cuire à l'eau, donc vous pouvez déjà mettre l'eau à chauffer. Je vais mettre l'eau à chauffer, je vais faire une petite sauce aux champignons. On ajoute les gnocchis et une fois qu'ils remontent à la surface, en fait, ben, ça veut dire qu'ils sont cuits. Et là, on voit que les gnocchis sont en train de monter à la surface, qui sont déjà presque prêts, donc il faut vraiment juste quelques minutes. Ils ont l'air vraiment super bons. Regardez ça comme ça fume. Ça, ce sera vraiment le repas d'automne par excellence. Je me réjouis de déguster. D'ailleurs, je vais en goûter un avec vous. Comme ça, je vous dis ce que ça donne. Ah, super bon. Ça a un petit goût sucré. Donc ça change vraiment, mais c'est vraiment... Avec l'automne, c'est parfait. Je vais mettre un peu de parmesan par-dessus, comme ça il y aura un petit sucré salé. Et ce sera juste trop bon. Donc moi, je vais déguster ça. Et je suis super contente de vous avoir partagé mes 3 repas de la journée, plus mon petit 4h, mon petit yaourt au maca. Pour la recette, évidemment, tout sera en description. Et vous vous adaptez comme vous voulez, vous faites la sauce que vous voulez. Donc n'hésitez pas à me partager vos recettes. Et dites-moi si vous avez fait mes recettes aussi, ça me fait plaisir de savoir si ça vous aide. Donc ici, 100% sans gluten. Trop bon, trop original. J'adore tester des nouvelles recettes. Vous allez vous régaler avec cette recette, donc n'hésitez pas à la refaire. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo et de mes 3 repas. Mes journées dans mon assiette, c'est les repas que je fais en général au quotidien. C'est plus ou moins la même chose tous les jours, en adaptant évidemment une source de protéines différente, une source de féculents différente, etc. Mais c'est toujours des grosses salades, voilà, comme d'habitude. Donc voilà, donc dites-moi ce que vous avez pensé de ces recettes et de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre j'aime à la vidéo et surtout à vous abonner à la chaîne pour voir toutes les autres vidéos sans gluten, donc toutes mes petites astuces, mes conseils, mes mukbangs, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Moi, je vous fais plein de gros bisous, je vais déguster ce bon plat de gnocchi à la châtaigne et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.